Les 4 coups. Oh là là. Je vous montre nos vélos. Il y a toujours un vélo à gagner. Yo, salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une grosse journée puisque on est sur le nouveau terrain de trial, celui de Grenoble, 6000 m², un nouveau terrain énorme. On s'est fait exproprier de l'ancien du coup. Là on a celui-là, je vous le montre, ça part deux ici avec des cailloux, des buses au fond, des troncs, Théo ici, c'était livré avec. Hein. Tout ça, des troncs, ça va jusqu'à là-bas, de toute façon. On va se lancer des défis justement avec Théo. Salut Théo, on dit salut, bonjour. Yo, ça roule. Enchanté. On a le droit de checker, je crois pas. On a le droit, ça va, un mètre de sécurité. Et grosse nouvelle avant de commencer la vidéo avec Théo, on est sponsorisé par la marque Ozonis, on est ambassadeur et je vous montre nos vélos. C'est des Ozonis, c'est les trois couleurs qui sont disponibles sur le site. Et ben on a les trois, voilà, on s'est fait plaisir. On a le bleu et orange, on a le orange et blanc et on a le bleu turquoise. Vous pouvez déjà nous dire en commentaire quel vélo vous préférez. Le orange c'est celui de Théo, le bleu bah c'est aussi celui de Théo, il se fait plaisir, on a pris deux. Et moi j'ai le bleu, donc ça c'est vraiment des trials hein. Dernièrement j'ai pas fait trop de vidéos de trial, mais là c'est un vrai trial hein. Il n'y a pas de sel. Alors moi je vais faire la voix des abonnés, je vais poser les questions que j'ai retrouvées sur mes réseaux. Alors déjà, combien il pèse? Un peu moins de 8 kg, on est entre 7, 5 et 8, ça dépend des composants qui sont utilisés. Là on est sur le montage pro. Fourche carbone, guidon carbone. Deuxième question, c'est quoi comme frein? Bon je vais répondre, mais c'est des freins hydrauliques à patins. Pourquoi des patins? Des patins ici, hein, c'est hydraulique à patins, à l'avant et à l'arrière. Pourquoi des patins et pas des disques? Déjà le frein à patins est plus léger que le frein à disque, et parce qu'on a un freinage qui est beaucoup plus on-off. Nous on a besoin d'un freinage qui soit super sec, donc là on vient meuler le flanc des jantes. On a des patins qui sont à une gomme super tendre. Mmh. Autre question, est-ce qu'il y a des vitesses sur ce vélo? Pas du tout. Que là il y a comme un dérailleur là, on va dire. Il y a un petit tendeur de chaîne, c'est un petit système avec deux roulettes et un ressort qui permet de tendre la chaîne. Donc, là on a un axe traversant. Pas régler l'empattement en fait, mais aussi vu que la chaîne s'étend avec quand elle vieillit, et ben au moins elle est tout le temps tendue. Et surtout quand on crève, on remet la roue et on est tout le temps bien avec les patins. C'est intelligent. Pas besoin de re-régler. Merci Jamy. Bon bah du coup on va attaquer nos petits défis. On va vous montrer le terrain en ridant. On va aller sur la zone de la poutre. On va lancer le premier défi, Théo. Le défi de l'équilibre. Oh Théo, il va falloir partir de ce caillou pour rouler sur la poutre. La première, rouler sur la deuxième, rouler sur la troisième, hein, c'est simple, on a compris les règles. Ouais. La quatrième qui est beaucoup plus haute, hein, qui m'arrive déjà au torse, faut pas tomber. Tu as fait Ninja Warrior toi? Ouais, j'ai fait Ninja Warrior, mais Ninja Bike. Il manque juste de l'eau, c'est vrai, ça aurait été sympa, un peu d'eau. Dernière poutre, caillou, dernière poutre. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 poutres à faire. Je te propose celui qui va le plus loin déjà. Et si tu veux, on se laisse 3 essais. À chaque fois qu'on touche une poutre avec au moins une roue, ça compte un point. Ça te va? Ok, ça me va. Tu veux commencer? Allez, je commence. Allez, vas-y, commence. Du coup, tu prends le vélo orange alors. Comme ça, t'es assorti aux poutres, c'est pas mal. Pour avoir essayé l'équilibre, honnêtement, c'est pas facile à hein, regarder. C'est pas plus large qu'un pneu. Et c'est un bois qui est bien lisse, bien neuf. Faut pas tomber. C'est quand tu veux. Let's go! Allez, un point. Un point. Oh yes, 2 points. Oh, 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 oh. Youhou, 2 points. Oh mec, c'est trop dur. Premier essai, 2 points à moi. Ok, Aurel, premier essai. Oh, oh, oh. Ouh, 2 points. Oh, l'arrière, l'arrière. Oh. Ah, ah. Allô. Hop, il marche les 3 points. Ah 3 points, ok, bon bah deuxième chance. Deuxième essai, c'est parti. Hop. Ok, la contrôle. Nice. Allez, 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 allez. Allez, le 3 points. Yes. Ouh. Oh. Allez, allez, allez. Le 4. Ah ouais, ouais, tu l'as touché, ouais. Elle était là, genre. Même pas là, là. Ah, j'étais vraiment stressé de faire de l'arrière, faire de l'avant. Non. Comment ouais, sauver un 4 points? On va dire celui-là. 4 points, hein. C'est celui-là. Tu l'as touché. La règle. Tu l'as touché, pas mal. Bien joué. 4 et 2, 6 points pour l'instant. Allez, deuxième. Il est en mode course de vitesse. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Bah, t'as zippé, chef. C'est le caca de pigeon, là, il t'a fait. Voilà. Allez. Bah, j'ai quand même un point. 6. Et moi j'ai 4. Du coup ça joue sur la dernière manche maintenant. Ah là là, la loose. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est nul. Je crois que j'ai voulu aller vite et c'était pas une bonne idée. Allez, troisième essai. Maman, je vais essayer de tendre la perche là. Ok, ok. Oh là là, la pression. 1 point. 1 point, ça veut dire que tu as 7.
et moi 4. Du coup, si je fais 1, 2, 3, égalité 4. Oh là 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 là. Comment dur a été à 2 essais. Hein. Est-ce que ça va jouer maintenant pour le premier point du défi? Ok, 1 point. Deux points. Ah, 3 points, 4 points. Non, je t'ai battu là déjà. Ah, c'est le quatrième point. Ouais. C'est logique, 4 points. Oh, oh. Oh, le mec hyper compète quoi. Fallait pas me chercher hein. Tain, j'ai craqué le sol de... 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pour ce dernier. Victoire, 1-0. Deuxième défi, c'est toi qui vas le faire, puisque c'est moi qui ai imposé les poutres. C'est à toi de trouver un deuxième défi. Que du bang. Il y a peut-être plus d'énergie que là-dedans, non? Pas de sucre, pas de calories. Il y a juste de l'énergie avec ça. Hein. C'est de la pina colada. Bang. Pina colada, nouveau parfum de Bang Energy. Hein. Et moi, j'ai récupéré Bang Strawberry, ça j'adore. Ça, c'est mon parfum préféré. Que de l'énergie, des vitamines et tout. C'est le sponsor de la vidéo, faut le dire quand même. Hein. Il sponsorise cette vidéo. C'est bien gentil. Du coup, bah, tchin, hein. Santé, hein. Elle fait chaud. Attends, oh, est-ce que c'est bon? C'est pas mal du tout. Si avec ça, t'as pas d'énergie pour le deuxième défi. Allez, moi je m'en prends un aussi. Je vais me prendre celui-là. Hop. Bon, on va au deuxième défi du coup. Allez. Qu'est-ce qu'on fait du coup? C'est pas mal un défi de vitesse. Et on peut aller sur les bus. Là-bas, là au fond là. Ouais. La zone de vitesse, c'est-à-dire on part d'ici. Yes. Donc la zone. Là. On va transférer là. Ouais. Après, on va là. Ici. Là. Là-dessus. Là. Oh, jolie extension, t'as bu du bang toi, non? Ah là, ouais. Après on saute, là. Là, là, là. Après, bouf, d'élan, boum. Allez, chop. Vas-y, je te fais un montage, attends. Vas-y, fais une extension, je te fais un montage de l'espace. 1, 2, 3, poup. Oh yeah. Putain, bang, c'est plus que de la magie, là. Hein. Là, là, vas-y. Là-bas. Vas-y. La flemme, là-bas. Après celui-là, encore là. Un gros gap. On pédale. Tiens, je mets la canette. Ouais, c'est la ligne d'arrivée. C'est là l'arrivée. Qui commence? Bah, j'ai commencé tout à l'heure, donc... Je commence, c'est ça. Alors, déjà, faut retenir la zone, ça va être le plus dur. Ok, j'ai pas de chrono officiel, mais au pire, tu le verras sur le petit compteur de la GoPro. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, le gap. Oh. Yep. Oh non. Allez. Yes. Yes, là il y a un joli deux coups. C'est quoi ce qu'on met des pieds? Ça fait une pénalité. Yes. Allez, donne tout. Putain, il est loin celui-là. Bah oui, je te... Yep. Alors le verdict, combien? 51 secondes. 51. J'ai perdu l'élan un peu là-bas, quand même un peu de vitesse. Quand je vois comment t'es essoufflé, je me dis que je suis pas bien du tout. Bonne chance. Are you ready? Yeah, I'm ready, bro. Ok, you are ready. 3, 2, 1, go. La bus, yes. Oh, il y a du speed. Oh, il enchaîne le salaud. Oh là là. Oh, j'ai cru que t'allais le rater. Oh, doucement là. Ça s'emballe. Ah ouais. Oh, la pénalité. On l'avait pas dit, hein, mais... Oh, moi je dis 5 secondes pour la pénalité. Allez. Oh. Et... La pénalité va faire mal, je pense. On s'était dit une pénalité, 5 secondes on avait dit. Enfin, je l'ai dit un peu comme ça, mais... Ouais, on l'avait pas trop dit, mais on va c'est dire. C'est un peu ça, généralement, sur les contests. Ah. Du coup, tu as mis, d'après mon calcul, 37 secondes, mais... Avec la pénalité de 5 secondes, parce que t'as mis un sabot et les pieds sur la buse. 42, tu m'as battu. Allez. Oh là là. Bien joué, mec. Yeah, bah. Propre. Franchement, t'es allé vite. Hein. Bon, bah, 1-1, c'est parfait. C'est le match qu'on voulait, puisqu'on voulait un troisième défi. C'est le défi freestyle. Vous savez, le FIZ à Montpellier a été annulé, et du coup, ils ont fait un truc en ligne. Et j'ai trouvé ça cool. En fait, c'est les internautes qui votent. Donc, du coup, ce qu'on va faire avec Théo, c'est qu'on va filmer là nos 5-6 plus beaux passages. On mettra une musique un peu dynamique. Genre un petit micro edit, et ça sera à vous à la fin de la vidéo de voter pour élire le vainqueur de la vidéo. Ça me plaît, je vais me défoncer là. Pas mal comme truc. On a le droit de prendre les mêmes, hein, comme ça les gens peuvent comparer, ou alors complètement différents. Chacun a sa stratégie. Ouais. Ça peut être bien cool. Et moi je vais reprendre un peu de bang. Hein.
au cas où on n'avait pas compris que c'était une vidéo sponsorisée par Bang, hein, sans vouloir être trop lourd. Voilà, être trop lourd, je le sais un petit peu quoi, mais comme ça. Je suis lourd, mais pas trop parce que c'est Fat Free, il y a écrit, hein. Fat Free, donc pas trop lourd. Hein. Le mec il abuse trop. Allez, Bang. Allez, Bang, Bang. Bang, Bang. Bang, 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 Bang. Bang, Bang, Bang. Avant de commencer, ouais. Tu veux quoi comme musique? Il faut que ça soit libre de droit, sinon on perd toute la monnaie sur YouTube. Et électro, un peu. Ça, ça pète un peu, tu vois. Voter 1, Théo. Yes. Tiens, on recycle s'il te plaît, on ne laisse pas ça sur le terrain. On ramène à la maison, on met dans la poubelle. Et hein, recyclable. Ouais, poubelle jaune. Votez 2 Aurélien les gars dans les commentaires. Votez 1 Théo. Votez 2 Aurélien. A vous de marquer dans les commentaires. Merci bien sûr à Bang. Bang. Bang bang bang. Bang bang d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et merci aussi, bah, on va quand même se remercier Ozonis pour ses beaux vélos quand même. Hein. Vous pouvez nous marquer d'ailleurs dans les commentaires quel vélo vous préférez. D'ailleurs, bah, c'est fini je crois à l'heure actuelle, mais il y avait un vélo à gagner. Il y a toujours un vélo à gagner. Il y a toujours sur le compte Ozonis, Instagram ou Facebook, vous y allez, il y a un vélo comme le nôtre. Celui-là. 2 500 euros la valeur, effectivement, j'avais pas parlé. 2 500 euros. Il suffit de commenter et il y aura un gagnant normalement dès qu'on atteint les 10 000 commentaires. Donc franchement, allez bombarder les commentaires sur les réseaux sociaux. 2500 balles à gagner facilement. Faites-vous plaisir les gars. Pensez à vous abonner, allez suivre Théo sur tous ses réseaux également parce qu'il a bien joué le jeu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo lundi prochain. Ciao les gars. Ciao.